rouler ici, bah d'abord c'est la course chez nous à la maison. Donc c'est une course particulière, d'autant plus que cette année Sébastien Petit est champion de France, donc on va faire une grande fête. Et puis bah, c'est aussi une des plus belles courses du championnat. Donc c'est une course qui est technique, qui est rapide, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, qui est longue aussi, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end. Effectivement de grande vitesse. D'ailleurs, l'installation de la chicane n'est pas innocente. Hein. C'est pour casser justement hein, cette vitesse de départ. On a cette grande ligne droite avec un long droit rapide. Et on retrouve régulièrement sur la monte des portions effectivement rapides entre des enchaînements de virages. Donc c'est vraiment très sympa. Effectivement, c'est une piste que l'on peut comparer à un circuit parce que bon, elle est large. Encore une fois, on retrouve ces parties rapides, des virages rapides aussi. Il y a aussi naturellement quelques passages avec des virages fermés. Mais c'est vrai que c'est, du moins sur la première partie, très comparable à du circuit. Et ensuite, je dirais sur la seconde partie quand même, on retrouve la typicité course de côte. Difficile de la comparer aux autres épreuves du championnat. Peut-être un petit peu avec Col Saint-Pierre, on retrouve un petit peu des similitudes à ce niveau-là. Les endroits clés, c'est les enchaînements dans les S, les droites-gauches qu'il faut essayer de prendre très vite. Droite également qui nous amène à la dernière épingle avant l'arrivée. Il est très vite, donc on peut très vite perdre du temps dans ces endroits-là. Il y a de nombreux endroits comme ça, effectivement, techniques, où on peut perdre des millièmes, des centièmes, et à l'arrivée, ça fait la différence.